Oh, voilà, ça fait plaisir. Voir Paul comme ça. Hop, la miniature pour la prochaine vidéo. Attends, on va lui faire faire une petite pause. Doigt en avant. Oh ouais, Paul. Geste de la main. Qu'il est beau. Qu'il est beau, Paul. Pourquoi j'ai pas la carte de l'endroit là? C'est normal. Ah, c'était bien avant Kida, c'était avant le système de prestige en fait. Le système de prestige, il est arrivé il y a quoi? Il y a 2 ans bientôt? Oh, ce qu'il a pris. Ah bah voilà, bah parce qu'elle est là, la carte de l'endroit. Tout simplement. La bagarre? Ah mais ça y est, Paul, il bully tout le monde. J'avais pour avril, j'avais pas pour mai. Ah ouais? Bah merde alors. Je vais lui faire une embuscade. C'est pas insane. Oh! Pas très résistant. Non mais c'est parce qu'en fait ça y est, j'ai atteint un moment où mon build il est déjà plus fonctionnel. C'est normal si un peu les gens en face sont moisis. Parce que j'ai déjà up mon perso, mes armes elles sont déjà enfin mon arme elle est déjà up aussi. Donc vous inquiétez pas. C'est logique, je vais me faire casser la gueule, hein. Vous en faites pas, on est sur Elden Ring. Donc il y a un moment où je vais juste me faire péter la gueule, mais c'est normal. Un coffre. Oh oui. Piétinement orageux. Couteau aiguisé, ok. Je n'ai jamais joué à Elden Ring, c'est vrai? Ah, c'est un jeu incroyable. Ah mais il y a un feu ici que je n'ai même pas pris. Bah je sais même pas si c'est mes grands-parents qui m'ont appris ça, vieux. C'est un truc qu'on entend, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller sur la droite là. C'est les Zesh, bonjour. Il est beau en tout cas. Ouais, le jeu est magnifique. Hein. Il est vrai. On a un dragon en bas là. Est-ce qu'on se le tente? On va se faire casser la gueule, mais bon. Après tout, YOLO, hein. Vas-y, on essaie, on essaie. Comment ça, tu rates ça, bro? Ah, on lui fait du dégât quand même. Pas mal. Oh. T'es un fou lui.
Arrête. Ça apporte quoi comme loot, un dragon, je me souviens plus. L'arbre me protège. Pas du tout. Non. De mémoire son cœur. Ah putain, oui c'est vrai. Et après tu peux aller en faire quelque chose. Ah je me souviens. Tu peux aller choper des pouvoirs draconiques. L'arbre ne résiste pas au feu. Bah c'est de la merde, voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Pas moi. C'est trop réaliste à mon goût, ça me dérange. L'arbre va pas servir à grand chose. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. On va le laisser tranquille pour l'instant. Allez. Il mérite pas qu'on l'embête de trop. Oh, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Non mais au secours. Oh! Super. Terre de puits du cul. Ah, littéralement. Littéralement. C'est tout? J'ai pas vraiment d'objectif pour ce matin en vrai. On va voir un petit peu ce qu'on fait. Oh mon dieu. Ah, c'est la bagarre. Cassez-vous les crabes là. Aussi j'ai faim. Ben qu'est-ce que je peux y faire, Norma? Mange. Mange quelque chose de bon. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux te conseiller? Tu peux m'amener à manger. Ah bah oui, bah voilà, on fait ça. Faire la bagarre là. C'est qui là-dedans? Genre une raclette. Hein, j'ai fait raclette avec mon daron lundi, Norma. C'était si bon. Non! Ça bosse. Je suis en train de mourir du poison, quoi. Mais vraiment, mais quelle vie, hein. Je veux tellement une raclette, JPP. Je suis désolé, Norma. J'aimerais pouvoir t'emmener ce que tu désires. Mais c'est impossible. Qu'est-ce que je fais? Oh. Parcours!
Bah, je sais pas, Venom, je sais pas. Vraiment, il y a des questions comme ça dans l'univers, on peut pas comprendre en fait. C'est trop complexe. Aïe! C'est un fou lui. The fuck? Comment es-tu mort? Montre-moi. D'accord, super. Ouais. Et je sais pas quand est-ce que c'est la raclette avec le chat. Potentiellement jamais, hein. Il me reste un PV, hein. Tout le monde, je décède, hein. Partir de là. Hein. Oh mon Dieu. Ça fait quoi déjà? Je me souviens plus. Arrête! Parchemin de la maison royale. Avec la modération, c'est une raclette. Ah ouais? Oh, ça se tente. Bonjour. Fais attention, messieurs, dames. Ici. Ayons foi en proxy. Quelle erreur, hein, quelle erreur. Aïe aïe aïe. Ah, c'est trop bien, Synod, let's go. T'as trouvé quoi? C'est trop stylé. Comment possible pour être moto? Ah, les gourmands du chat, quoi. Bah, vous pouvez pas, voilà. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on a à faire là? C'est quoi potentiellement la suite logique des opérations pour moi là? C'est pas d'aller en Kélid? Trop chaud. Ah ouais? Bah c'est quoi du coup? Qu'est-ce que je dois faire? Ah mais non, mais je suis bête! Je suis bête, il y a l'académie à faire. Putain, mais je suis con. On va explorer un petit peu ici et on ira du côté de l'académie du coup. C'est vrai qu'il y a l'académie, elle est complètement zappée. Alors que c'était hier ma session quand même. Au revoir Coco. Quel affreux mob. Toi.
T'es énervé? Merci pour le follow, bienvenue. Chocolatine. Regarde quoi, veut que je sois modo. Quoi? Coucou le raider, comment ça va? On a une geôle par là, non? De mémoire. Je crois que c'est ça, là. On a un gardien ici. Oh vas-y bagarre. Bagarre. Quoi? Allô? Tu veux quoi toi? Noob. Ça va tranquille, merci. Nickel, bien joué de ma part ça. Arrête! Bon alors on lui fait mal, bonne nouvelle, mais il nous fait mal aussi. C'est quoi ça déjà? Ah oui! Ok, ça me revient. Récupérer la fiole de mélange sacré. C'est-à-dire. Pardon. Ça fait plus les mêmes dégâts qu'avec le gourdin. Bah non. Non, non, effectivement. Effigie, ouais. Il y a mes thunes par terre. Bonjour. C'est quoi ça déjà? Bon, en étant pas greedy, ça va le faire en vrai. Aïe. Anti-bag, anti-bag. Perle de cristal opaline. Larme de cristal pourpre fissurée. Ok. GG, merci beaucoup, merci beaucoup. Toxique. Arrête, c'est Paul qui est toxique, c'est pas moi. Moi je suis pas toxique.
Vous savez, le chat. Reviens! À partir de là, je vais où, moi? Et c'est quoi, ça? Ah oui, je me souviens de ça. Toxic build, par contre, pourquoi? Il a éclaté, mon build. Il a un toxique. Comment ça? Comment on descend? Par là? Vraiment pas, non. Vraiment pas, non. Là, on peut descendre, là. Je pense pas. Coucou, Meldrazil. Je suis enfin en robot. Nice, c'est cool. Coucou, Tsar. Allez, canasson. Oh oui. C'est de la merde. Et ensuite, de là, on descend comment? Par là? Oh oui! Tombe. Ah, un truc là, ok. Qu'est-ce que c'est? Oh! Pardon! Arrêtez! C'était malade! D'infirme, quoi. Et donc une fois que j'ai tué ces glands là, il reste quoi? Ah, coup dur. Ah mais il y a une porte, mais je vois tellement rien. Une faux ailée. Force, dexte et foi. Accumule du saignement, d'accord. Ok. C'est bien ici, Anarosco, tu ne t'es pas trompé. Tout à fait. Ah, il y a une geôle là-bas, let's go. Je crois me souvenir que c'est un combat de merde en plus. Je crois que c'est un gros combat de merde. Essayez attaque sautée. Oui, merci. Bon bagarre, hein. Écoutez. C'est qui déjà? Ah, c'est Zamor! Oh, quel enfer! Oh putain! On lui fait
tellement de dégâts, genre. C'est quoi ça déjà? Qu'est-ce qu'il fait? Arrête, fais pas ça. Oh. Ah, je me souviens des patterns, c'est rigolo. Let's go. Saut sacrifié de Radagon. D'accord. Il est beau, c'est vrai. Hein. Noobs à mort. Ouais, je me souvenais de ses patterns, c'est marrant. C'est bizarre, quoi. Viens là, toi. Des trucs sur la plage intéressants. Il y a un truc là-bas, ouais. Bonjour, je ne fais que passer, bonjour. Au revoir. Bon, on peut papillonner encore un peu, puis on décalera sur sur l'académie. Build de diff. Grave. Il y a une douille, là. C'est quoi la douille? Quatrième église de Marika. De Marika, pardon. Oh, nice. Eh, le jeu est magnifique, hein, c'est clair. Et encore, t'as pas tout vu. L'arme de vie. C'est quoi la classe de mon perso? C'est les persos tout nus. Montée de niveau. On mettait un petit peu de vigueur et de l'endurance. Voilà, et un point en force. Ça me semble correct. T'as du perso tout nu, mais oui. J'ai réussi à pas trop te spoil sur ce jeu, mais j'ai déjà fait le jeu Keys, hein. Je l'ai fini le jeu. Ma première run, j'ai eu 90 heures de jeu dessus. Donc le jeu, je le connais. On a ça à aller faire aussi. Et après, on sera tout bon. Les petits objets pour récupérer des runes. Bah, pour l'instant non. J'aime bien en avoir sur moi en fait. J'aime bien en accumuler et quand j'en ai vraiment besoin comme ça je les claque tu vois. On en a utilisé hier par exemple. Tu peux tout personnaliser ton perso, sa monture? Alors la monture non. Le perso oui, tu peux le créer comme tu le souhaites, ouais. Le mode
mausolée est en chasse. Il abrite en son sein le demi-dieu sans âme. D'accord. Comment on enlève déjà les repères? Supprimer. Ah, voilà. Faut y arriver. Mais non, mais je la vois encore. Allô? Ah non, c'est bon. Mon chat t'abuse. Ah, bah encore une larme de vie, let's go. Coucou Yora, comment ça va? Parler à Mélina. Bonjour. Words of Queen Marika, if you wish. In Marika's own words, then return to the lands but grow strong in the face of death. Warriors of my lord, Lord Godfrey. Bah c'est super. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici. Allez hop hop. Salut Choki, bonjour. Bah disons Tsark en fait c'est la classe qui te permet de faire un petit peu ce que tu veux au début. Je trouve ça grave ok. Encore une larme de vie. C'est grave. Bonjour. Believe it or not, I studied Blinstor for a small donation. Ça vaut le coup pas ça. Oui. Well, bless you are a true my name, presuming you're interested, only. Je m'en fous de tes sorts, c'est ça vraiment? I'm afraid my... Oh right, I can tell you what I know about this. You've seen that structure to the north. Towering over that, oui. The Academy of Rayon, its doors have been closed. After they declared they wouldn't, the Academy cast repelling seals on the east gate, leading to the capital. As you might have guessed. Making entry to the academy, and so I'm stuck here. When they cast the seal. Putain, escroc! Je me suis fait arnaque, super. Super quoi? Ici, c'est la bagarre de mémoire. Bonjour. Je viens en paix. C'est quoi les mobs déjà? Ah ouais, tu es la bagarre? Oh! D'accord. Arrête! Mais t'es en colère! On lui fait rien comme dégâts! Oh, tiens, dans ta gueule. Cheval! La bagarre, hein. C'est des gros mobs ça. Bonjour, merci, au revoir. Ça m'emmène ça. Oh c'est beau.
C'est bégué ça. Aïe. Alors je suis pas un expert Shoki, mais je peux peut-être t'aider. Sans jamais. Petit coup d'épée dans les fesses, hop là. Un coffre dans ce merdier là. Papillon flamboyant, ah ouais. Non, je crois qu'il n'y a rien. Je vais vous lisser. Eh ben des bisous, monsieur View. Et bonne journée à toi. Ah. En fait, c'est quoi le scaling de l'espadon, Shoki? Parce que c'est ça en fait qu'il faut faire attention. T'as des armes qui peuvent être augmentées et qui ont un vrai bon potentiel. C'est que la merde. Et t'as des armes qui ont un plafond en fait. Est-ce que t'es pas sur une arme qui a un plafond assez bas finalement? Oh, c'est quoi cette horreur? Y'a rien là. Attends, on peut faire du parcours. Gollum un petit peu, c'est vrai. Bonjour. Oh mon dieu! Oh, une geôle! C'est qui là-dedans? Bagarre! Qui êtes-vous? Allô? Je me souviens plus. Oh. Malade lui. Arrête. En fait il a invoqué le soleil. C'est un fou. Mais non, il boit des popos aussi. Mais quel salaud. Oh la sauce. D'accord, j'ai compris. D'accord. Il paye pas de mine comme ça, mais il fait mal. Il fait mal, le con. D'accord, Shoki. Bah du coup... Ouais, je sais pas. On a peut-être atteint le plafond. Hein. Ça doit être ça en fait, de toute manière. Au bout d'un moment, si tu vois que ton arme elle avance pas. Où t'évites ça toi? Putain, ce que je lui mets. Aïe!
Malade. Mais d'où il boit des popos? Mais arrête! Oh shit! Mais ah, laisse-moi tranquille! Tiens, chè! Petit bac! Flamme du dieu cruel. Putain, si je faisais de la magie. Ça aurait été stylé ça. Il boit quand tu bois. Il t'accompagne, il est gentil. J'avoue. C'est clair. Il m'accompagne, il est dans ma boisson. Bah, il est où mon cheval? Flamme de la femme elfe cruelle. Ça va, Norma? Je crois qu'elle va pas bien. Oh! Oh, il est trop mignon! Coucou, Excellator! Et j'ai fait quoi là, pardon? Ces mobs. Fleur de feu. Le feu brûle en moi. Mmh. Tout pété. À partir de là, je vais où moi? Je me souviens plus. Ça marche quoi plus tard? Coucou Aurore, coucou Genobi, comment ça va? Nice. Pas trop bizarre ce début de matinée sans DBD? Non, je l'ai déjà fait par le passé. Et j'ai joué à DBD, hein, mais c'est juste que c'était de la merde. Globalement. C'était vraiment... C'est nul à chier, quoi. Donc, on a fui. Tout simplement. Je vais continuer de bourrer un petit peu la force. Salut Kevin. Mais ça fait du bien à la tête, voilà, de faire autre chose. Et je suis désolé, voilà, s'il y a des gens qui espéraient voir du DBD ce matin.
bien, eh ben non. Fragment de rune, pardon. Kizako. Nuit nécessaire droit devant. Essayez nuit. Nuit nécessaire. Ah ouais? Attends, on va faire ça. Hein. On va faire tomber la nuit. Allons faire ça. Merci pour le follow, bienvenue. Ouais, je sais que c'est la tort, mais j'ai essayé de jouer à DBD ce matin. Mais... En fait, comme je disais tout à l'heure, je ressens rien sur DBD actuellement. Vraiment rien, quoi. Je sais pas quoi te dire, Rourke. Moi, j'avais pas accroché à l'époque. Oh non! Ce mob de l'enfer du cul! Oh! Oh! Mais... ok. Vous êtes mort. Je être décédé. Je suis pas la nuit là. Aux affaires. Tu le trouves 10 fois plus frustrant qu'un soul. Moi j'avais pas aimé, genre, je sais pas. Je sais pas si c'était les mécaniques, je sais pas si c'était... Juste, je n'avais pas aimé. Ah! Mais what the fuck? Mais what the fuck? Il me dit rien, ce piaf géant. T'as jamais affronté ce piaf de merde? Moi, je me souviens avoir galéré de fou. Mais c'était pas ici, je savais pas qu'il y en avait un ici. Rendez-moi mon argent. Mes pesetas. J'aime pas ce mobile, horrible. L'objectif ce matin c'était quoi, entrer dans la cabine? Ouais, globalement je pense. Oh mon dieu. What the fuck? Ah, je me souviens qu'il y avait globalement un truc à faire dans ces ruines, non? Y'a pas un perso au milieu de ces ruines? Putain, je me souviens plus. J'aime pas ce mob, oui, il est horrible. Il est parfaitement horrible. Ouais, non, ici je m'en souviens pas non plus, Zesh. Ça me parle pas. Après, entre le moment où j'ai fait le jeu et le moment où on est en train de le refaire là, il y a eu des choses qui ont bougé, donc... La camp aussi sur Dark Souls 2, jamais. Voilà. Si t'as d'autres questions, ben... Je suis là. Pour y répondre.
Pourquoi jamais? Ça m'intéresse pas. C'est le saut le plus dur. Ça m'intéresse pas du tout. C'est quand Lies of Pi? Je sais pas. Putain. C'est moi tranquille. Oh, un truc là. Du loot. Du loot. Super. C'est le loot. Oh, ils font la toupie. Comment je dois me débrouiller déjà pour entrer à l'académie? Je me souviens plus du tout. C'est mon péché inavoué. Ah ouais? Saute, bon Dieu! Oh. Ça a été jusqu'à Elden. Ah, et depuis Elden Ring, ça t'a changé, quoi. Putain, c'est fou à quel point je me souviens de rien, genre. Il y a des zones comme ça, ça me parle plus du tout. Ça va faire 2 ans, vous me direz, mais bon. Oh, t'es un malade, Rourke. Un grand malade, hein. Ah, tout de suite ils veulent me taper quoi. Non, mais aucun respect. Coucou Linoa, comment ça va? Paul fait peur. C'est vrai. Dans ce cas là je veux bien l'entendre. Je me souviens que cette tour de merde elle m'a trauma. Pourquoi? Je me souviens plus. Je découvre que mon jeu Steam en cours n'est pas sauvegardé dans le cloud après 8 heures de jeu. Ah bah parfait ça. Nickel. De chance, beaucoup de choses sont trop bas dans ce jeu, ouais. Oui. Mais c'est normal. Au secours! Ah, je me souviens de cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Wow.
quel sac à merde. Bah nickel. C'est malade. Oh le rider. Non, reviens bro. Oh, mais vous êtes tout nul. Flémo, comment ça va? J'ai oublié de te répondre d'ailleurs, Flémo. Hein. Merci pour ce que t'as fait, t'es adorable. Il part réapparaître, mon copain là? Ah, mais il est si loin! Mais il tue ses copains lui, d'accord. Oh waouh! Oh waouh! Oh, ce qu'il a mis? Aïe! Laisse-moi tuer cette merde! Paul à la coupe à Mireille Mathieu. Un petit peu, c'est vrai. Grand fan, je pense, hein, de la première heure. En même temps, comment ne pas être fan de Mireille Mathieu au bout d'un moment au chat, hein. Se réaliste un peu. Oh, ça casse les couilles. Mon Dieu. Ok, mon collègue il est où là? Ah, il est là. Fatigué mais ça va, bon, c'est le principal. Le... Arrêtez! Non, vraiment, je vais péter mon front. Non! Mais c'est trop nul comme fight! C'est si nul! Je vais le faire à d'autres caribous le fight, hein. Tant pis.
Bon, la flemme. Hein. Oh, vas-y. Pourquoi je peux pas le bully là? C'est de la merde! Oh le. Mais il fait du. Wow. Non! Je suis un connard. Je vais pleurer. Pourquoi je peux pas profiter de. Quand il est stun là? Je comprends pas. Est-ce qu'on peut faire une emote proxy rip? Tu verrais quoi? Le problème d'avoir une emote rip, c'est que tu peux pas faire plus cliché quoi. Bah tu mets une tombstone avec marqué rip proxy. Ah bah ouais. Comme toutes les emotes rip. Ah ouais, ok. La tête de Paul. Oh bah super. Le pauvre. Rien demandé. C'est nul là ce truc en plus. Comment? Comment je meurs face à ça quoi? Aïe! Tombstone marqué Judith. Ah. Ah non, je sais pas. M'intéresse pas des masses. C'est le vortex. Attention au drift. Oh. On voit du jus. Fight le plus passionnant de l'histoire de l'entre-terre. Ouf. Aïe! Repart. Rename le perso d'Elden Ring, Judith. Ah, grave. Trop une idée de fou, quoi. Allez, on meurt, merci. Et 4700 quand même, hein. Morte fleur. Cendre de bandit squelette. Il donne une morte fleur. Putain, c'est intéressant ça. Le nom qui sonne italien mais à la fois médicament. Qu'est-ce qu'il raconte lui? De fou, de fou, de fou. L'entrée est derrière là. Investir en HP. Tu penses que je devrais faire ça? On peut prendre un level donc. Monter de niveau.
On met vraiment en HP? Bon bah allez, c'est pesé ma bonne dame. Mais de la vie. C'est ce que je fais. Il me faut aussi de la force. Je peux y rentrer là-dedans ou pas? Je me souviens plus. Celle d'études de Karaya. On peut le faire ça? Il me rappelle plus. Il est tout triste celui. Qu'est-ce qui t'arrive? D'accord. Oh. Paul. Le fight de ce boss te donne envie de te latter les burnes. Donc je sais un peu pourquoi on fait cette tour là. Allô? Ouais d'accord, on fait ça. Putain, je me souviens, les PTSD. Oh. Ah, je me souviens. Oh, c'est dur ça de ça quand même. Un truc entre les deux existe quand même. Tu peux mettre un petit peu de vie quoi. Ouais, je sais, Rock, je sais. Il y a aucun intérêt à faire la tour du coup? Putain, je me souviens plus. Et me souviens plus. Peut-être un loot sur le midi boss. Ouais, je crois. Hein. Oh putain, oh putain. Oh là là. Oh mon dieu. Non. Quel escroc. Oh les victimes, ces incantations. Bâton A. Oh, c'est pas pour ça quand même qu'on a fait ça, si. Mais c'est fou à quel point ma première run j'ai plus galéré que ça là. Vraiment, je suis choqué. On avance à une vitesse. Par contre, elles sont où mes runes là? Non, 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 non. Descendez, s'il vous plaît. Rendez-moi mes pesos. What the fuck? Bonjour. Ils sont où mes pesos? Arrêtez!
C'est moi. Elle fait mal, hein. Elle fait mal, la petite Clément, là. Elle fait bobo. Mais j'ai hâte d'avoir des armes vraiment qui stun lock en boucle, là. Genre le marteau que j'ai sur moi que je peux pas encore jouer, à mon avis, bien équipé, il peut être sale, quoi. Ça m'a fait peur. Quel connard! Putain, mais quel con! Ouais, je pense que ça peut être très sale, Rourke, à mon avis. J'ai vraiment hâte de voir ça. Putain, dommage, je gérais de fou là. On va se refaire bully. J'ai 5000 runes là-bas, moi. Ils sont tellement bourrax. Ah, ils m'ont donné mes runes ici, tiens. Je gérais le boss du fort Gael en Kelly d'avant. Genre level 40 environ, tu le gères, je pense. Le boss du fort Gael en Kelid. Pourquoi ça me parle pas? Ça va me revenir, hein. Un lion. Ah ouais? Ah mais c'est un malade lui! Vas-y! Voilà pourquoi elle me souvient de ce fight de mort! Coucou Hello, ça va et toi? Comme celui que tu as croisé dans le château de Godric. Ah! Ok. Ah oui, d'accord. Et pourquoi je vais le faire lui? Je me souviens plus. Bon, rappelez-moi qu'à 10h on décale sur Pokémon le chat. Hein. C'est lui qui drop la cendre. Ah, ok, Rourke, ça marche. Ok. Okay. 100% je meurs et je perds mes 6000 cendres là. 100%. 100%. Info sûre et certaine. Nickel ça. Nickel ça.
Heureusement que les mobs autour ils sont useless. Hein. Ah, il est horrible cet endroit Hello. Hein. Et là encore, je suis content parce qu'avant j'avais tendance à mourir sur cette partie en boucle, sur ma première run. Et là, ça va. Non! Salut les noobs. C'est en haut là que c'est horrible là. Ils ont des chapeaux ronds. Mais oui. J'ai la ref. En plus, je crois que c'est pour rien qu'on fait cette tour de merde. Le marteau que t'as trouvé hier dans le donjon de Godric, c'est l'un des meilleurs Iscail B en force. Putain. La vache. Elles sont où mes cendres? Elles sont si loin. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je vais péter mon front. Arrête! Mais pourquoi je peux pas l'atteindre? Mais c'est un truc de fou! Faut que je tue ces mendiants là? Je vais faire quoi là? Je peux jamais l'atteindre. Non, faut rush. Mais non, mais quand je rush, il TP. Je peux pas rush. Plus que 3 jours et je me resub. Ah! C'est vrai, Argos, c'est vrai. Tu l'avais dit. Tu l'avais dit. Il va arrêter un moment. Ah ouais, c'est sûr ça? Oh, c'est un escroc. C'est peut-être ça, peut-être que je suis les manants là. Les pauvres bêtes. Je me souviens plus. Oh, ça dégoûte, gros. Il a fait spawn, salaud. Oh mon dieu.
Ah, Dieu merci. Oh là là. Déluge magique. C'est vraiment pour ça, là? Il y avait une échelle là-bas. Lumière. Pas de cheval en vue. C'est vrai. Ça me paraît très vrai. Ça roulait l'eau. Quels sont tes stocks là? Ouais, je sais. Il y a du loot au-dessus, je crois, de mémoire. Ça va. Du loot, ici. Dangereux, ah bah oui. Bien sûr que c'est dangereux. Mais ça envoie la chandelle, pas du tout. Je pense vraiment pas, mais enfin... de la graine. Ah, c'est pour ça. D'accord. Bon, bah, il n'y a plus qu'à se barrer d'ici. Hein. Des rats au plafond, nouvelle phobie. Mais non, ça va aller. Une fois, je suis tombé sur un message devant un boss, c'était écrit offrande derrière. Petit trou. Ah. Très bien. Qu'il est beau, mon Paul. Mine de rien, il rapporte de fou hein, ces vieux mobs éclatés au sol là. Hein. Ça rapporte de la thune. Ah ouais. Aucun respect quoi. On est à 17 000 quasiment. Donc là ça fait 2 levels. Quasi 3. C'est bien. Il y a un truc là-bas, je me souviens plus. J'ai pression en vue. À de mentir. Les spectres de la moulague. De mémoire, il y a un trou là dans l'ascenseur. Ça sert à quelque chose? Non, je crois pas. Hein. C'est full bullshit. Hein. Ouais. Regardez, vous allez voir. Il y a un trou là en face. Là. On peut y aller, mais... Je crois que ça sert à rien. Montée de level. On va toujours mettre un truc de force et un truc en vigueur. Voilà. Je pense que c'est honnête. Qui veut essayer tous les trous, allez dedans. Je vous permets pas. Non mais... On a un arbre ici. Mais faut qu'on aille faire l'académie.
Mais je me rends compte à quel point je suis en train d'avancer hyper vite sur le jeu, c'est un truc de fou. Hein. Ma première run, j'avais jamais mis aussi peu de temps. Hein. C'est un malade, lui. Kitchen Rush, ouais, de fou. À l'aide. Ça fait hyper mal. What the fuck? Ça y était ça lors de ma première run? Je me souviens plus. Ah mais le chauffard! Tu as récupéré la clé pour rentrer? Je sais pas. Bonjour. Lui, il est sage. Arrête! Merci. C'est stylé les arbres inifugés. Ben, tout à l'heure, on a essayé d'affronter un dragon, les arbres ne sont pas inifugés. Hein. Sache-le. Oh, salut toi. J'ai cherché une excuse pour poser un congé, tu lui as donné grave. Allez hop. Au moins, ça c'est fait. La clé. Cherche, tu veux savoir, je me souviens plus surtout. Et le PNJ là, attendez, on va aller revoir notre copain là. Ah non, c'est pas là, c'était plus haut. C'est pas lui, c'est lui. Il va me redire.
Mon petit pote. Bactolin, wonderful. Why not find yourself without one and you'll never reach the. And if you find an ex, once you've tied up, or would you consider. I know it. I'm a bluntstone, but still. Mais. tu me donnes aucune info en fait. Et putain. Il est utile ce mec au moins, c'est cool. Parce que là-bas, ça me mène à Liendel, c'est ça, non? Je me souviens plus. Oh, je crois me rappeler. La clé n'est pas bien visible. Il faut aller faire le putain de dragon, non? Pas ça. T'es pas obligé techniquement. Oui, je sais qu'il la garde, mais ça m'est revenu quoi. Bah ça va, Toreki, toi-même. Il est où ce compte dragon par contre, je me souviens plus. Là-bas, je crois. Non. Sur ma droite. Par là. Ouais, la dernière fois, on était sur Margit, toi, ouais, tout à fait. On a bien avancé, hein, t'as vu. Hier, on a fait. Godfrey la merde. On a fait un peu de farming. Et aujourd'hui, on continue. Non, ouais, c'est ça. Parapapa, parapapa. Bah, j'ai presque assez pour me repasser un niveau, non? J'ai de la merde. Ouais, on est en train de gazer de fou, là. Mon petit Torek. On est en train d'être extrêmement efficace. Plus sonore. Il est dur le dragon ou pas, je me souviens plus. Qui êtes-vous? Calmez-vous. Eh hey, oh, 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 et doucement. Hein. Ah ouais, tu veux la bagarre? Bagarre. Ah, il a fait la toupie. Mais quel est l'intérêt du coup d'avoir buté ce schlag là? Parce que ça je sais à quoi il est rattaché, mais il donne rien. Ok. T'as un PNJ à cet endroit. Oh, ok. Ok.
Ce mob est relativement violent et tu l'as tout shot. On lui a cassé la gueule. Pauvre bait. Il me faudrait un feu. Il y en a un par là de mémoire, non? Ah là-bas. Et le dragon est en face, ok. Je crois que ouais, je peux monter d'un level. Vous savez quoi, on va même retourner vite fait à la table. Je vais voir si je peux pas up mon truc. Il est déjà 9h30, putain, mais quelle vie. Je disais tout à l'heure, mais je suis redevenu un crackhead, hein, ça y est. Hein. Le crackhead de Elden Ring, le retour. Une fois que t'es dedans, c'est horrible. Bon, monsieur. Renforcer. Non, on peut pas. Fuck. Mon marteau, là, d'ailleurs. Non, on peut pas. On a eu ça hier aussi, l'espadon fusionné. Un peu. Okay. Montée de niveau. Pour en force. Ok, on y retourne. Porte sud. Non, c'est quartier du temple, hein, je crois. On va tenter de faire le dragon. On va faire quelques runs. Et puis, si on voit que ça passe pas, on go next, quoi. Attention. Non mais quelle erreur. Voilà, au moins ça s'est fait. Je me souviens de ça étonnamment. Comme c'est joli, c'est beau. Hein. Il est un peu fatigué, non? Tu vois, je pense que les grands ennemis comme ça, c'est vraiment plus simple de les faire à la souris, à mon avis. À la manette, c'est un peu un calvaire. Hein. Je trouve. Aïe! Scarabée de con! Mais non! Pas bien, bro! Juste
une habitude, ouais, je sais, bien sûr. Faut viser les patounes. Aïe. Putain, depuis tout à l'heure, je le faisais en O8. Arrête. J'ai besoin de ton argent. Aïe. Ma OS, le chacal. Mais vraiment ? Je pleure là. Tout à l'heure, tu as eu le saisissement Radagon. Je conseille de le mettre à la place de Demon Amulette. J'ai eu ça ? Putain, je me souviens plus. Ah oui, exact. Sous sacrifié de Radagon, tout à fait. Mais ouais, mais en contrepartie, on se fait bolos, ça. Bah plus de vita, arrête. Putain. Bon, on peut essayer hein, après tout. Qu'ils sont à foutre. Là concrètement, ça aurait rien changé à notre dessin quoi. En 15% de damage en plus. C'est quand même pas rien quoi. C'est quand même pas rien. Bonjour. Merde. Et là, je suis pas mort. Ok. On est d'accord que pour ce fight, le plus opti, c'est vraiment à dos de canasson. Hein. Grimétude. Comico. La bête est belle, ah oui, hein. C'est une belle bête, hein. Un bel animal. Oh, 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 oh. Je vais dans le caillou. Je pense que si j'étais à pied, je lui ferais plus de dégâts, mais ok. Mais comment dire? Je trouve que c'est plus facilement dodgeable. What the fuck. Mais ok, d'accord. Ça marche. D'accord. C'est pas mérité. C'est quoi ça? L'arnaque. Le feu ça brûle. Déjà c'est de la glace en fait donc voilà hein. On peut
peux lui faire une attaque fufu. Allons. Laisse-moi passer là, maintenant. Ouais, d'accord. D'ailleurs, petit truc à savoir, c'est pas un dragon mais une wyverne. Un dragon à quatre pattes. Et une paire d'ailes. Les pattes sont pas attachées aux ailes, alors que là, la wyverne de pattes, c'est une paire d'ailes et les doigts au bout pour se stabiliser. Ah ouais? Ouais, c'est un dragon quoi. Arrêtez. Casse-toi, toi! Mais non, mais. La vision que j'ai d'un dragon, c'est exactement ça. Non? Non? Après, tant que ça se mange. Ah! Ah ouais. Je voyais pas ça comme ça, mais. Bon, vas-y, on fait encore un ou deux tries et puis sinon, on passe à autre chose. Hein. La flemme. Hein. Y'a rien qui me désespère plus qu'un gros sac à PV là. Hyper mobile en plus. On lui fait des dégâts, mais bon. En vrai, tout à l'heure, j'ai trop le seum qu'on soit dead. Je nous ai OS comme un vieux caca là. Je l'ai seul là? Mais au secours! What the fuck? Attends, j'ai rien fait de spécial là. On est d'accord que ça dépend des univers, ce que tu catégorises comme toi Wyvern ou Dragon, là rien dans Elden Ring c'est bien catégorisé comme étant un dragon. Je les restun ce gland. Casse-toi avec ton aile! Mais! C'est très grave, c'est l'arbitre. Mais il triche!
Non, mais que... Oh, vas-y, ça me saoule. Oh, ça me saoule de fou. J'ai envie de péter mon crâne. Ah... Je reviens, il décède, quel plaisir. Mais c'est pas mérité! Oh, vas-y. C'est du Moyen-Âge, allons. Quailleur, ça va et toi? Un acte de gris danse, mais je suis pas d'accord. Là, je me fais punir pour de la merde. Et l'aspect one shot, bon. Enfin... Bref, quoi. On va pas évoquer ce sujet. C'est un monstre. Petit scarabée, bah oui, y a jamais dans nos cœurs. Mais non, canasson. Oh, c'est trop triste. Sad. J'ai perdu mon copain. Oh, ça va être de la merde maintenant. Au revoir. Oh. Arrête, fais pas ça. Fais pas ça. J'en ai trop marre, putain. C'est trop triste. Si toi aussi t'es triste dans le chat, mets un smiley triste. Pour signifier ta tristesse. Sûr. Race, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment des petites ordures, le chat. Voilà, c'est tout ce que je dirais. C'est pas bien ce que vous faites. Ah, mais les missiles téléguidés. Arrête!
Mais c'est vraiment un escroc, hein. Smarag la crotte. C'est quoi ça? Bon allez, on va aller faire autre chose, c'est en train de me trigger. Il est en train de me casser les couilles. Allez, au revoir. Bravo, tu vis, c'est bien. Bravo, félicitations. La flemme, c'est bon. Aïe, 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 tout le monde m'a l'air heureux, bah, j'ai l'impression. En fait, quand tu regardes, en gros, les wyverns ont une queue à pic que les dragons n'ont pas. Ah, que les dragons, non, d'accord. Les vers de pieds, les dragons, 4 pattes, c'est quoi, c'est similaire. D'accord. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on parle d'un truc. Si on a envie que ce qu'on affronte là, c'est un dragon, quoi. C'est pas comme si c'est des trucs qui existent. Là, dans ma tête, j'affronte un dragon, j'affronte pas une wyverne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'accord, c'est noté. Merci pour la précision, c'est gentil. Je m'identifie en tant que dragon. C'est tout à ton honneur. Oh, il m'a saoulé là, Smarag la crotte. Ah, quelle honte. Qu'est-ce qu'elle est belle, l'académie aussi. De toute façon, je vais dire ça à chaque fois qu'on va dans un endroit. C'est pas Drac au feu ? Non. Ah, pas non. Arrête ! Ah, t'as été traumatisé, ta souhaite. Non, moi, l'académie, c'est pas un mauvais moment. Et voilà ta porte, putain. Je peux ne pas lock cet individu, merci. Oh, le coup de tête. Oh, oh. Mais il y en a combien? Je me rappelle plus de ça, Orc. Je me rappelle plus. Je suis surpris que tu n'aimes pas Lies of Pi. Mais c'est pas que j'aime pas Lies of Pi, c'est que juste que j'ai pas voulu m'y plonger, quoi. En fait, de ce que j'en ai vu, Elden Ring me parle plus que Lies of Pi. C'est pas pour autant que j'ai dit que j'aimais pas, tu vois. J'ai pas testé, donc je peux pas savoir. Oh, le salaud. Oh, le câlin. Oh, le petit câlin. Il a besoin d'attention, lui. Ah. Aïe. Non, j'ai juste dit que l'univers ou ce dont ça parlait ne m'inspirait pas grand chose, mais. Et je peux pas dire que j'aime pas, parce que j'ai pas testé. Je commence à faire beaucoup de mobs là quand même. Hein. D'accord. 3 DLC. Ouais, ça va pas tarder hein, en théorie. C'est moi. Ça, c'est moi quand j'ai un insecte volant autour de ma tête. Ah bon?
tout type d'insectes volants ou des insectes volants en particulier? Combien de ça respawn ici? La la la. Bonjour, bonjour. Salut, bonjour. De mémoire, il n'y a rien qui m'intéresse hein, dans l'académie. On s'en cague un peu. Dans le sens où c'est très tourné magie et c'est normal. Hein. Mais du coup, je vais pas aller plus farfouiller que ça. Et lui, il me saoule. Pardon, eux. C'est bon. On va être tranquille ici. Qui êtes-vous? D'accord. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle journée. Arrête! Non! Va taper! Mais aïe! Arrête! Mais c'est insupportable! Putain, mais le pattern horrible! Eh, c'est bon, tu m'as saoulé. Mais DLC Elden Ring, c'est pour février? Je crois? Allô? Février, mars? Truc du genre? Du coup, je me suis remis dans Elden Ring au bon moment, en quelque sorte, c'est cool. Et là, je vais où déjà? Je ne me souviens plus. Je vais tout en haut? Je vais être absorbé, bah oui. Il y a un boss pas loin là. En fait, j'aimerais y arriver. Bonjour. Attention à ma personne. Aïe, aïe, aïe! Au secours! À l'aide! Ça, hein. Ouais, ok. Non, pour l'atteindre à chaque fois, ça va être l'enfer. Hein. Ok, je voulais tester comme un bourrin, mais ce qu'on lui a mis. Ok, d'accord. Très bien. Je veux juste tester.
Alors, bonjour, oui, me faites pas de mal. Je ne fais que passer. Voilà, continue de lire, c'est bien. Ils sont violents, hein. Casse-toi! Oh, dommage. Je me souviens des patterns aussi. Bon, ça je l'avais plus. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Salaud! Pas de ça. Autant il y a des trucs ce matin, je me suis souvenu des patterns, mais là celui-là là, pff, là vraiment c'est full pif, on va devoir réapprendre je pense. Pas très content, non, pas content. On va devoir réapprendre. Il est très agressif. Mais tout est agressif dans Elden Ring. C'est honteux. Oh, il a rien pu faire devant tant de roulades, lui. On fait un ou deux essais. Et on abandonnera pour aller sur Pokémon, je pense. Ok, d'accord. Bah, le problème, c'est que ça le stun zéro, quoi. Problématique. Ça ne fait aucun effet. Je veux les mêmes chez moi. De quoi? De loup? Tu veux un loup chez toi? Il est trop beau. Il fait un peu 12 mètres quoi aussi. Ouais, c'est Pokémon, on y arrive le chat, vous en faites pas. Salaud. Ouais, non. Parle tellement pas. Oh, mais ça l'a pas stun ça? J'ai pas entendu le bruit. Okay. D'accord. Ok. C'est trop dur. Et d'une violence. Oh, ça passe. Oh. Putain, mais Paul quoi. À un poil de fesses, hein, vraiment. Putain, mais la légende de Paul, en fait. On peut même monter d'un niveau. Hop. Ah
Waouh! Eh ben, vous savez quoi? C'est le meilleur moment pour s'arrêter, je pense. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et à checker mes autres vidéos.